Et salut à toutes, salut à tous, c'est Maxime, ou Max. Aujourd'hui, pour une vidéo, donc seule, GG n'est pas là, donc je voulais vous proposer un petit let's play sur Pokémon Rouge. Donc pourquoi le rouge? Parce que tout simplement, c'est un des premiers jeux Pokémon, c'est pas celui que j'ai fait en premier, mais je vous propose donc une petite aventure sur ce jeu. José Professeur Chen, pour ceux qui connaissent, donc ça se rapporte au dessin animé, hein, donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, les différents Pokémon qu'on peut choisir au départ sont soit Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. Donc je sais pas encore si je vais vous faire cette vidéo en continu avec vous, ou alors que des petits moments assez intéressant, je verrai. Pour l'instant je n'ai pas encore décidé. J'essaierai pour l'instant, tout au moins au début, de faire deux vidéos par semaine sur cette aventure. Alors tout d'abord, quel est ton nom? Mon nom c'est Max. Voilà, donc c'est un jeu qui est sur Game Boy, donc la toute première. Voici mon petit-fils. Le professeur Chen a un problème de mémoire, il ne sait plus comment s'appelle son petit-fils. Et donc son petit-fils s'appellera GG. Parce que j'ai Max, j'ai Kim et Max. Voilà. C'est pour la petite explication pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc Max t'inquiète sur le point de commencer. C'est dingue, allez, c'est parti. Donc des vidéos qui dureront à peu près 10 à 15 minutes, pas plus. Et donc j'espère que ça vous intéressera le plus possible. En tout cas moi je pense que je vais me faire plaisir de rejouer à ce jeu. J'ai eu quelques Pokémon sur Game Boy, donc j'ai eu l'or, mais après j'ai eu le Saphir sur Game Boy Advance, et j'ai eu également le Pokémon Diamond. Et peut-être encore un peu, mais je ne suis pas sûr. Faut que je... Donc ça c'est Chen, c'est super dangereux, hein, vous faites, hop, on va suivre Papy qui va à 2 à l'heure, mais qui me dit un but à cœur quoi. Donc on va aller faire notre choix de Pokémon. Allez, dépêche-toi, j'en ai marre d'attendre, léger et impatient. Voici 3 Pokémon, oui, ils sont dans les Pokémon. J'allais sur les Pokémon, il y a le porte de ta vie. Accélère. Hop, donc Pépé et moi, hop, potion, GG, tu en auras un aussi. Voilà. Donc moi je vais choisir entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Je vais simplement choisir Salamèche, puisque c'est la version rouge et le rouge c'est ma couleur. Je vais le renommer. Et puis je prends Salamèche. Et ce sera le seul Pokémon que je pense que je vais renommer. Et je vais l'appeler Fire. Fire. Hop, parce que ça fait plus classe. Ça fait plus classe, beaucoup plus classe. Fire. Fire. Comme ça. Impeccable. Et donc là, GG va choisir son Pokémon qui sera Carapuce. Le Pokémon O, donc le bleu, qui est sa couleur également. Qu'est-ce que c'est bien joué, ma fille. Hop, et on est parti. Donc là, GG va me traiter de minable, je pense. Voilà. Pareil. Et donc, on va lui mettre une petite replique. GG veut se battre, c'est cool. Donc, c'est du tour par tour, pour ceux qui ne connaissent pas. On peut utiliser des objets, changer de Pokémon, bon, voilà pour le moment, et donc on a plusieurs attaques de différents types. Donc là j'ai un Pokémon feu qui se bat contre un Pokémon eau, totalement en opposition, ce qui est fait exprès bien sûr. Et donc les attaques ont différents types également.
Donc là j'ai un type normal par exemple. Et donc logiquement bon, c'est une attaque qui me sert quasiment à rien. Juste à faire baisser la défense, ce qui peut être utile parfois, mais j'utilise quasiment jamais. Hop. Et coup critique, heureusement, sinon j'avais pas eu un monde, mais aussi, si, donc ça va être une attaque léger. Incroyable, j'ai pas pris le bon Pokémon, et GG me donne 375 Pokédollars. Pokédollars. J'ai pas besoin de parler aux gens, donc je vais prendre mon coup, je vais prendre ma main. Je vais faire une sieste. Comme ça, on va soigner le Pokémon. Oups. Ok, on en est en pleine forme. J'ai récupéré le truc. On va aller voir un moment de GG, que je salue d'ailleurs. C'est à regarder cette vidéo. Et donc nous allons aller dans les hautes herbes. Nous allons certainement rencontrer quelques Pokémon. Et donc là on est sur la route. Donc de Bourg-Palette, on était à Bourg-Palette, le village de Sacha, donc dans le village des Saint-Mimés au départ. Et on va aller se diriger vers Jalviel. Ah lui, il faut lui parler de la nouvelle location. Je travaille à boutique Pokémon, mais devant qu'un artiste vient de voir Jalviel. Prends donc ceci comme échantillon. C'est sûr. Hop, voilà. Tac, on va traverser. Voilà. Pas de combat pour l'instant. C'est rare. J'allais dire, si on n'a pas de fight. C'est bizarre. Donc Rookool, un des premiers Pokémon pour eux. Certainement rencontré assez souvent au début. Fire. Trop cool, un Pokémon de type vol, il me semble. Hop, et voilà. On va refaire un petit tour dans les autres herbes, on va passer au moins niveau 7 dans cette première vidéo. Quand même. Voilà, un ratata. Niveau 4. Un peu plus intéressant que tout à l'heure. Donc mini-queue, comme je le disais, c'est pareil que logiquement, donc ça peut baisser la défense. C'est pas très utile. Donc on perd de la défense. Là par contre, voilà, là on va avoir quelques dégâts. Voilà. Mais bon, voilà, combat gagné. 32 points d'expérience. Donc on monte au niveau 7. Et on hop. Donc on va arriver ici à Jalviel. Et on va aller au centre de Pokémon pour se soigner. Il y a eu un centre de Pokémon. C'est la dernière jouelle qui a fait le dessin animé. Pokébou, nouveau Pokémon. Voilà mon dorme. Dans le Pokémon. Bon, super pêche, à bientôt. Hop, alors tout ce que je dis, c'est là. Il y a un centre Pokémon dans chaque ville. Tu peux y soigner gratuitement tes Pokémon, il est encore heureux. Le centre Pokémon soit tous les Pokémon blessés ou tu peux utiliser le PC. C'est le test qui me l'a dit. Allez, cool. Bienvenue au club unique. Nous préparons le lien. Patience s'il vous plaît. Et donc sur le PC, donc là c'est le PC qui permet de stocker, de retirer, etc. Mais on en a pas. Donc sinon on peut échanger. Et sur mon PC perso, je sais pas ce qu'il y a. Des objets. Ouais, je peux mettre des objets.
Hop. Et voilà. Je pense qu'on va se laisser là pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, dites-moi si vous préférez un condensé ou vivre l'aventure avec moi. Donc, pour l'instant, bon, c'était la première vidéo, c'est pas très passionnant. Ça durera environ 10 à 15 minutes, pas plus, au niveau du temps de la vidéo. J'espère que le son n'a pas été trop mauvais. Pour l'instant, j'ai pas encore de micro, donc j'essaie de faire au plus vite pour en acheter un. Et je vous dis donc à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut !